Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais faire un petit slam. Donc, il était beaucoup demandé sur les commentaires privés. Voilà. Vraiment, j'avais envie de tester ça. Pour faire ce slam, il nous faudra d'abord un bol. Un bol. Puis, de la colle Cléopâtre. Moi, c'est une blanche, mais vous pouvez prendre n'importe laquelle. Donc, on dirait qu'elle est toute liquide parce que je ne l'ai pas utilisée depuis beaucoup de temps. Donc on va quand même la mélanger. En plus là il y a de la chaleur. Voilà, la colle Cléopâtre, de la mousse à raser, du colorant alimentaire et puis des produits à lentilles. Alors on va tout d'abord commencer par enlever tous ces machins bidules. Et on va commencer à ramasser de la colle. J'ai des muscles hein, pour un truc. Donc moi j'en renverse une petite quantité. Mais en fait je crois que je vais tout renverser. Encore plus je crois. Donc je vais tout renverser. Donc voilà, jusqu'à qu'il n'y en a plus. Non, 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 c'est bien. Donc il y a ma petite chatte qui est venue et qui va déranger ma petite vidéo. Donc voilà, là il n'y en a plus. Ah si, attendez. Bon, bref. Hop, ça c'est suffisant. Hop, voilà. Donc voilà, la colle est renversée. Donc nous allons commencer à ajouter de la mousse à raser. Voilà, nous la secouons un peu. Et nous allons commencer à la mettre. Donc, par contre, vous en mettez un peu beaucoup. Hein. Donc si vous avez envie que c'est fluffy, vous mettez de la mousse à raser. Attendez, je vais un peu la secouer. Donc voilà, et vraiment vous en mettez une bonne quantité, mais vraiment une très très bonne. Pour pas que ça fait de dégâts ou que ça colle. Donc là, hop. Donc vous pouvez vraiment voir que j'en ai mis beaucoup. Ensuite nous allons mélanger. J'aime trop. Il faut que c'est un peu vraiment la mousse à raser, enfin un truc bizarre. Mettez-moi en commentaire si vous avez envie que je vous fais une autre vidéo sur les slimes. En commentaire bien sûr. Et je vous le ferai avec grand mais énorme et énorme plaisir. Ah ça commence à faire quelque chose de dur. Donc là, comme vous pouvez le voir. Donc là, c'est encore quand même tout blanc. Ensuite, nous allons renverser du colorant alimentaire. Là, je vais commencer à monter mes manches. Parce que c'est quand même vraiment du colorant, mais énorme. Donc, je vais prendre pour ça le petit bâtonnet. Enfin... un petit bâtonnet pour en mettre un peu comme ça et nous allons commencer. Donc voilà, hop, j'espère que ça nous fera une très belle couleur. Ah, ça nous fait du orange. Là j'en mets quand même un peu bien. Et hop, ça nous fait vraiment du orange. En fait, en vrai, ça doit être du rouge, enfin, du jaune, mais ça nous fait du orange. Donc moi, j'y comprends pas trop bien, mais la couleur est magnifique. Je crois que je dois en mettre un peu plus. Bon, bref, voilà. Hop, maintenant que ça nous fait une très belle couleur, enfin, il faut quand même que j'en rajoute un peu plus.
parce que ça ne fait pas vraiment une très belle couleur. Voilà. Donc là, ça nous fait un très beau jaune. Donc là, j'ai mélangé et ça nous fait un magnifique, mais un très très beau jaune. J'ai trop hâte de passer à la finale, au moment final. Donc là, le colorant, la mousse à raser et la colle, bah, c'est fait. Donc il ne manque plus que notre produit à lentilles pour que ça nous fait vraiment du jaune. Mais c'est un jaune, mais jaune quoi. Donc maintenant, nous allons rajouter du produit à lentilles. Donc on peut le trouver à la pharmacie partout, partout. Donc, hop, on va commencer par la première quantité. J'aimais vraiment, je vous dis pas comment j'ai peur. Parce que d'habitude, les slimes que j'ai fait, ben, ils marchent pas vraiment. Enfin, j'ai pas fait en vidéo. Mais il y en a qui marchaient pas du tout. Et là, j'espère qu'on croise les doigts pour que ça marche. Oh my god, ça marche! Oh, ça marche! Oh mon dieu, il faut que j'en rajoute un peu plus, je crois. Hop, je vais tout rajouter. J'espère que ça va vraiment faire comme les vrais slimes. Oh mon dieu. Là, je suis choquée, même très contente. Mais c'est juste incroyable. Et là, c'est devenu notre propre pâte. Voilà. Hop. Il faut quand même que j'en rajoute un peu plus. Il faut vraiment en fait que ça se décolle du bord. Comme vous pouvez voir, hop, comme vous pouvez le constater surtout. Donc désolé si vous entendez du bruit, c'est des personnes en fait qui n'arrêtent jamais de faire du bruit en fait. Je sais pas, ils sont malades ou bref, voilà. Nous allons rajouter. Encore. Et non, là, ça nous fait une bulle. Oh, ça m'en a mis sur moi. Oh my god. Donc, voilà. Et bien, à tout à l'heure, ben, quand ça nous fera notre belle pâte. À tout à l'heure. Et donc, là, voilà. Notre belle pâte commence à se décoller du bord. Et je suis vraiment très heureuse. Voilà. Même de la fourchette, de la cuillère, pardon. Ah, mais là, c'est du slime, quoi. Enfin, un peu qui colle. Donc, je vais quand même encore en rajouter. Évidemment, je vais pas tout gaspiller. C'est eux deux que je vais prendre juste. Les restes, on s'en fiche, on ne gaspille pas. En plus, j'ai payé 3 euros pour ça. Donc non, merci. Voilà. Hop. Et là, c'est du slime. Donc là, je ne sais pas vraiment si vous pouvez le constater, mais c'est devenu du vrai slime. Qui ne colle pas, qui est parfait. Et je suis trop contente. Mon premier slime jaune, qui ne colle pas, qui est parfait, qui est excellent, tous les trucs que vous voulez, mais je vous rassure que je suis complètement contente, car bah, c'est du jaune et moi j'aime beaucoup le jaune.
Et en plus, c'est du slime. Donc, hop. Voilà. Donc, un peu collant encore, mais c'est bon, ça va. Le slime s'est complètement décollé du bord. Et ben là, c'est du slime. Là, j'ai rien à dire. C'est vraiment du slime. Donc là, j'attends le moment pour que je vous le fais toucher. Enfin, pour que je le touche. Et pour vous montrer comment il est, ce slime. Donc, ouais, ben il colle encore. Mais c'est bon, là, ça va, je suis sûre de moi. Là, c'est pas du slime, c'est plus qu'un slime réussi, quoi. En plus, le colorant, oh, magnifique. Ah, par contre, là, il faut que ça se décolle. Ah, j'aime trop le bruit. Donc, hein, qu'est-ce que je peux vous dire à part dire qu'il est réussi, que c'est du slime, qu'il est réussi. Donc là, on peut vraiment dire que c'est du slime réussi. Regardez, ça ne colle pas, ça se décolle du bord. Voilà. J'ai quand même en rajouté encore. Hein. Il y en a qui profitent. Mais vraiment, c'est satisfaisant. Enfin, je dis satisfaisant. Enfin, pour moi, quoi. Vraiment, vous pouvez essayer de faire du slime. C'est très facile. C'est en moins de 4 minutes ou je sais pas combien. Mais vraiment, en vrai, moi, mais sans vidéo, en fait, je suis... Sans vidéo, je prends beaucoup de temps. Enfin, pas beaucoup de temps. Et c'est vraiment génial. Donc, c'est ça qui est cool. Et hop, là, je vais en rajouter. Et le moment que vous attendez tous, c'est quand je vais prendre le slime. Enfin, je crois. Voilà. Regardez ce slime. Écrivez-moi encore en commentaire si vous avez envie que je fasse du slime. En tout cas, ça me ferait trop plaisir. Pour comme ça, je vous ferai un slime, on va dire, enfin, je vais essayer de faire un slime si vous êtes, si vous écrivez en commentaire, fait du slime. Si vous avez écrit en commentaire, fait du slime, ben, je vous ferai un slime de l'espace, enfin, voilà. Donc, ça serait juste génial. Et écrivez-moi aussi le slime que vous voulez que je vous fasse la prochaine fois. Si vous voulez que c'est une citrouille, ben un slime citrouille, tous les slimes que vous voulez. Et je serai avec plaisir de vous le faire. Donc maintenant, nous allons voir si ce slime, ce fameux slime, est parfait. Ah, ben il y a Sabina juste là. Là. Malheureusement, on ne la voit pas dans la vidéo. Mais le moment où tout le monde attend, ou je sais pas, ou que tout le monde veut voir, ou je sais pas quoi, et ben c'est où je prends le slime. Dans les mains. J'ai peur parce qu'en fait, j'ai peur que ça colle sur moi. Donc je vais quand même essayer la tentative. Mais vous pouvez voir que ça colle. Mais sinon, c'est juste moi qui ne sais pas. Enfin, en fait... La vidéo n'est pas finie car les amis, je vous ai pas dit, mais la vidéo n'est pas finie. Oui, vous êtes d'accord avec moi, la vidéo n'est pas finie car il y a le dernier truc qu'il faut faire, mettre le slime pendant je crois 30 minutes, enfin pour quelques minutes, et voilà, et après votre slime sera prêt. Mais d'abord, est-ce que je lui ai dit qu'il fallait le encore
Donc là, si ça colle, vous savez soit qu'il faut mettre de la mousse à raser, ou soit qu'il faut mettre du produit à Et vraiment, mais vraiment, vraiment, je suis juste. Et j'ai rien à dire en fait. Parce que du slime.